mes amis scorpions, bienvenue sur le tarot du l'œil du chat pour votre tirage intitulé « Dans le regard de l'autre ». Alors j'aime beaucoup ce tirage particulier qui permet de voir non pas les émotions qu'à travers sa personne, mais plutôt ce qui se passe dans le regard de l'autre, justement à travers cet autre, sachant toutefois que ça n'est ici qu'un guide, un message, ça ne va pas parler à tout le monde, auquel cas vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ne vous formalisez pas et sachez que quand bien même vous voyez ce qui se passe dans le regard de l'autre, pour que la relation puisse être cohérente, douce, fluide, que la communication ait lieu, eh bien il faut être deux, puisque l'amour c'est comme un jardin, ça se cultive ensemble, c'est comme une entreprise, il faut la faire fonctionner. Ce que je voulais vous dire également, voilà, quand je vais parler de l'autre, je vais dire au masculin, parce que pour moi c'est plus simple de dire l'autre au masculin, mais ça peut être bien évidemment le côté féminin. Allez, c'est parti. Mes amis scorpions, vous voyez votre relation comme quelque chose d'extrêmement forte, où il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, il y a une union sacrée, une puissance d'action. Vous êtes un peu les souverains. Dans votre fief, c'est vous qui commandez, c'est vous qui dirigez, c'est vous, il n'y a que vous. Hein. On sent une personne ici qui veut être dominante et qui veut imposer son couple peut-être aux yeux et au-dessus de tous. Et surtout d'être un couple prédisposé à commander son environnement. Vous voyez, comme si vous faisiez autorité avec vous-même. Alors quand je parle de commandement, c'est pas le commandement tu fais ci, tu fais là, c'est... On est là, on est les rois, on est les dieux. Hein. Je vous vois un petit peu comme ça et c'est un peu la fusion des genres. L'autre, comment voit-il la relation? Eh bien, lui, il est plus dans un rapport charnel. Il y a une question de domination du côté maternant. On voit ici le côté féminin par la poitrine, l'attirance, la sexualité. Il y a ce que vous voyez comme équilibré et puissant. L'autre pourrait le voir un peu plus de façon déséquilibrée avec une femme... Qui est prédominante et qui peut-être manque de maternité, de bienveillance. Voyez, on a cette idée-là. Sur l'immédiat, l'autre, qu'est-ce que l'autre veut faire? L'autre veut peut-être un peu lâcher le poids des responsabilités et accepte de mettre un masque, accepte de faire semblant, accepte cette... excusez-moi l'expression, c'est ce qui me vient, mais cette comédie qui consiste à dire... nous sommes les plus beaux, les plus puissants, c'est nous qui arrivons à faire, nous sommes les modèles, voilà, nous sommes les modèles. Donc cet autre est capable, par amour effectivement, de faire fi d'un modèle social vu et au-dessus de tous, quand bien même ça n'est qu'un masque, ça n'est qu'un voile, puisqu'il se trame quelque chose qui est un peu plus profond et qui n'est pas forcément inhérent au couple, mais plus un manque d'attention du féminin par rapport au masculin. Sur du moyen terme, qu'est-ce que l'autre souhaiterait faire avec vous? Eh bien, c'est de peut-être se laisser un petit peu guider par des gens de sagesse qui pourraient mettre le doigt sur ce qui fait mal et aider à diriger un couple. On a un couple quand même qui est un petit peu perdu par rapport à son origine. C'est pas bien méchant, mais ça vient du fait que vous êtes en train d'asseoir une autorité de votre couple sur tout ce qui vous entoure, au détriment de la personne même, de la singularité de chacun de vos êtres à vous deux, de ce que vous êtes. Et cet autre est tout à fait d'accord de faire tomber le masque, de faire tomber le voile, parce que ça s'effrite. Et il est tout à fait d'accord éventuellement pour faire une thérapie de couple, ou pour au moins discuter et être guidé par des gens sages, des gens de savoir, des gens de connaissance, des gens qui ont de l'expérience et qui pourraient effectivement apaiser un petit peu tout ça, ou tout le moins faire lever le masque pour que chacun retrouve un petit peu de sa singularité, de sa personnalité. Qu'est-ce que cet autre craint le plus de vous? Eh bien la fuite. La fuite vers des relations... Il y a peut-être une communication qui a lieu par internet pour certains d'entre vous, des relations sociales comme ça, virtuelles, et on aurait peut-être tendance à fuir la réalité de sa personnalité à travers des relations extra-conjugales mais virtuelles. Ou alors on craint d'aller chercher des vérités sur des réseaux sociaux, sur internet, qui ne sont pas forcément réels. On recherche l'affection là. Or, votre autre, lui, il est plus sur le rapport concret de personne à personne,
et il craint peut-être que vous, vous alliez plus à un problème, et ben on va aller chercher la réponse sur Internet. Ah, tu n'es pas comme ci, comme ça, et bien je vais aller voir sur Internet. Ou voilà, c'est ce qu'il craint, et c'est un peu le sentiment d'être envahi par des choses qui viennent effectivement de choses vraies, hein, puisqu'on va chercher sur Internet, on a réponse à tout, mais qui ne collent peut-être pas forcément à votre réalité à vous. Et si sur du très long terme, comment l'autre voit la relation, eh bien l'autre voit une relation qui reste soudée, qui reste sincère, réelle, maternant, avec un enfant à venir, avec toutefois ce risque de séduction. Je vous en mets une là-dessus. Hein. On emprunte le même chemin, on se croise, hein, il n'y a pas de souci. On va ensemble dans la même direction, mais il y a un risque de convoitise sur l'extérieur. Qui sera pas avec beaucoup de difficultés, c'est juste le jeu de la séduction qui pourrait reprendre sur du long terme, sachant toutefois que ça peut arriver seulement si vous rentrez dans une routine trop routinière, et il n'empêche que cet autre est tout à fait d'accord pour être dans cette routine-là, ça ne le dérange pas plus que ça. Voilà, allez, on va maintenant tirer vos cartes oracle bleu pour parler de chacun de vos décans. Alors, mes amis du premier décan, voilà ce que l'oracle bleu a à vous dire. Alors, mes amis scorpions, vous avez eu donc dans ce passé un merveilleux cadeau qui vous a permis, si vous voulez, d'être quelqu'un de tourné vers l'extérieur, de bienveillant, quelqu'un qui apporte du soutien à l'autre. Et puis aujourd'hui, vous êtes plutôt, c'est différent, c'est-à-dire que ça se retourne vers vous parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez probablement. Et il y a quelque chose qui relève de la révolution en ce sens où on a des choses à dire et ça ressort. Ça peut être perçu très agressivement par l'autre, mais là clairement on se réveille. Comme si un événement est tellement important que ça se déchire dans nous. Et là, on est en train de dire la vérité et ça va peut-être, alors que ce soit vous qui l'a dit ou que ce soit quelqu'un d'autre, mais ça vous fait tellement mal et c'est tellement injuste à vos yeux que demain, on va garder cette carte des intrigues et là, on va être plus dans la méfiance par rapport à l'autre. Alors, du stade de bienveillant, vous allez passer au stade de la méfiance avec quelque chose qui explose en plein jour, quoi. Voilà. Mes amis du deuxième décan en scorpion, alors, ce que l'on me dit ici, c'est qu'il y a un pouvoir de séduction qui est en train de s'opérer, enfin, qui s'est opéré. Peut-être que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Peut-être que vous avez été enclin à être séduit par une personne à laquelle vous ne pensiez pas. Et puis, vous aviez eu certainement une attirance qui était plus forte que tout, en fait. Hein. Donc, il y avait une séduction qui était quasiment impulsive, extrêmement forte. Et aujourd'hui, on retrouve cet état de jeunesse qui peut être tourné vers un jeune homme, un côté un petit peu adolescent. Où effectivement on est comme libéré de quelque chose, comme s'il y avait un moment où on gagnait des points par rapport à cette séduction, par rapport à cette attirance, par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il y a quelque chose qui relève du prétendant, qui relève de l'admiration, quelqu'un que l'on a dans son cœur, quelqu'un qui est assez amoureux par rapport à cette magnifique personne pour laquelle on a été attiré. Et qu'est-ce qu'on me dit demain? Eh bien là, il y aura l'heure des choix. Hein, vous serez obligé de prendre des décisions. Il y aura certainement une hésitation à se demander vers quelle personne on va. Mais apparemment, s'il y a cette insatisfaction qui s'opère, c'est parce que justement, vous allez devoir opérer des choix et prendre des décisions pour savoir si vous continuez dans cette relation ou si vous repartez sur autre chose. Enfin, pour mes troisièmes décans. Alors là, j'en remets une là-dessus. Parce qu'on a un rapport à la Terre qui est très fort, qu'il soit taureau, capricorne ou vierge. Je vous en remets une. Parce qu'elle est forcément ciblée. Ah ben, voyez. Ici, vous avez été, oui, très très attaché à la fidélité. Quelqu'un qui est sur la loyauté. Ça nous renvoie aussi un petit peu
à la fraternité. Ça, c'est ce que l'on a eu dans son passé. Et de cette fidélité, eh bien, vous avez eu une force d'écoute assez impressionnante avec des bons rapports avec l'autre. Et puis aujourd'hui, on est un petit peu lié sur cette carte de la convoitise aujourd'hui. C'est-à-dire que votre fidélité, votre rigueur, elle est un petit peu mise à l'épreuve et vous ne craignez pas cette tentation. Il y a quelque chose qui relève effectivement du fait que l'on s'occupe de son corps, qu'on a des besoins charnels, que on est relié à une forme de sensualité par rapport à soi, à l'envie de plaire. C'est tout ce qui va tourner et porter intérêt autour de sa personne. Donc il y a un besoin de charnel par rapport à soi et donc une fidélité qui est un peu remise en cause. Et puis, qu'est-ce que ça nous raconte pour la suite des événements ? Nous semblons aller vers une élévation de soi, une progression. Donc on va peut-être déployer cette initiation amoureuse, cette convoitise, peut-être qu'elle va être explorée davantage, effectivement, mais il y a quelque chose que vous apprenez de ce rapport charnel et de cette attirance par rapport à l'autre. Voilà, mes amis scorpions, j'espère que cette lecture aura résonné en vous. J'ai été ravie de vous faire cette guidance. Sachez que vous avez votre tirage général pour le mois d'août que vous trouverez sur YouTube et aussi en approfondi sur Vimeo. Sur Vimeo, vous trouverez également en exclusivité votre tirage sentimental. Et puis dans tous les cas, je reviens très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.